l'intercession de Sainte Lucie, ce soit bien l'église de Saint-Pierre que nous baptisons humble, une structurée et indéfectible, telle que tu la veux, inspirée et vivante de ton esprit, lui qui unit le Père et le Fils et le Saint-Esprit en Trinité Sainte. Ô Sainte Lucie, toi qui as toujours gardé ta lampe allumée, animée de l'huile et du souffle de l'Esprit, tu t'es donnée jusqu'au martyr pour que la vie chante l'amour de Dieu et l'annonce au monde entier qui en a tant besoin. Bonjour papy. Bonjour les enfants, ça va? Ça va bien et toi? Merci. Tu as composé une messe en l'honneur de Sainte Lucie. À quand remonte ta passion pour la musique et quand as-tu écrit cette œuvre? La musique, je me suis intéressé depuis bien longtemps. Et cette messe, je l'ai composée il y a quelques années. Et ça fait un moment que ça m'a trotté dans la tête. Et puis j'ai eu l'idée de la dédier donc à Sainte Lucie, qui est la patronne de la communauté de paroisse. Unis au cœur de tous les saints et des anges sur terre comme au ciel, nous voulons toujours te chanter. En combien de temps as-tu écrit la messe? Pour combien de voix as-tu écrit cette messe? Cette messe, je l'ai composée pour 4 voix mixtes, donc 2 voix de femme, 2 voix d'homme, mais on peut la chanter également à l'unisson, à une voix. D'accord. As-tu d'autres projets de composition ou d'écriture? J'ai composé une vingtaine de chants liturgiques. Surtout à l'occasion de fêtes. Et également un chant que je souhaiterais entendre lors de mon enterrement.
D'accord. Après une vie consacrée aux jeunes dans l'enseignement, quelles recommandations voudrais-tu nous donner pour être heureux dans la vie et en faire une belle œuvre ? Pour être heureux de la vie, ça c'est un gros problème. Chacun trouve son bonheur à sa façon. Je pense que le bonheur du métier qu'on exerce, il est important de bien aimer son métier, sinon on s'ennuie, on ne trouve pas sa satisfaction. Je pense qu'il faut donc choisir un métier dans lequel on sera heureux dans sa carrière. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Salut. Salut, salut. Seigneur, par notre baptême, tu nous as appelés toutes et tous à la sainteté et au bonheur. Même si le mal est encore à l'œuvre dans le monde et en nous, nous savons qu'avec toi, nous serons plus forts pour lui résister et toujours nous en relever. Parce que toi, tu as donné ta vie pour nous et as été relevé de la mort, victorieux de tout mal. Ça, nous ne pouvons jamais l'oublier. C'est le mystère de notre foi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es témoin. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Sainte Lucie, aide-nous à faire de notre communauté de paroisse un havre de paix où chaque croyant puisse témoigner de sa foi avec ses charismes propres. Que ta parole y soit annoncée. Rejoigne et étanche les soifs de tous les habitants. Sois, ô Christ, le bon berger que tes brebis connaissent, écoutent et suivent. Agneau de Dieu.